Alors bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à notre chaîne YouTube. On va vous présenter aujourd'hui une démonstration qu'on a reçue aujourd'hui. Puis on va s'en servir dans le courant de la semaine. C'est une presse New Holland Roll Bell 450 Crop Cutter. C'est un modèle qui date de 2016, donc à 4 ans. Puis on l'a en démo pour faire quelques balles de foin chez nous, puis voir qu'est-ce qu'on pense d'une machine comme ça. Parce que c'est la première fois qu'on utilise une presse New Holland. Fait qu'on va vous montrer un petit peu la machine, puis quelques particularités qu'elle a. Fait que suivez-nous. Fait qu'en fait, cette presse-là à balle ronde, on appelle ça une presse rotocote. Fait qu'elle peut couper le foin en petits morceaux pour faciliter là, la digestion des vaches. Nous, personnellement, on utilise pas des couteaux. C'est des couteaux pour couper. Fait qu'on les, ils sont enlevés. Mais on peut toujours les remettre, en fait, ils sont ici. Là. Ça, c'en est une partie. Puis c'est ça, c'est pas mal ça concernant la rotocote. Une autre chose, c'est que cette presse-là peut faire des balles de foin allant jusqu'à 4 pieds par 5 pieds. Fait que ça peut aller, tu peux faire des 4 pieds par 4 pieds, puis des 4 pieds par 5 pieds au cœur dur. Là. Son pick-up, où est-ce qu'il ramasse le foin, est 7 pieds. Fait que nous autres, on dit qu'il est extra large. Ça facilite en fait beaucoup le ramassage du foin dans nos champs. Nous autres, on est habitués à faire des gros rangs pour faciliter là, le ramassage de foin. Fait qu'avec un gros pick-up comme ça, là, ça va encore faciliter plus les choses. Il n'y aura aucun résidu qui va rester en arrière. Fait que les champs vont être tous super beaux et bien ramassés. On peut voir ici, là, en arrière, sur le côté, il y a deux portes qui s'ouvrent comme ça pour faire la maintenance. Puis on peut voir que c'est assez, c'est relativement simple là, comme presse. Là, c'est assez simple selon moi pour changer des pièces là, s'il y a des bris quelconques. Tu n'aurais quasiment même pas besoin là, d'aller faire une visite au concessionnaire. Tu serais capable à la ferme là, de changer n'importe quelle pièce, là, que ce soit un bearing ou un ressort. Tu sais, si on voit que c'est assez simple, là, tout atteindre les pièces. Fait que c'est quelque chose de super intéressant pour nous et pour d'autres agriculteurs. On aime ça que les équipements soient simples pour qu'on puisse réparer plus par nous-mêmes, que ça soit plus facile là, pour n'importe qui pour savoir s'il y a un problème ou autre. Là, on peut tout voir là, facilement. Là. Qu'est-ce qu'il faut changer s'il y a un bris. Fait que cette presse-là, on peut faire deux balles différentes. Là. On pourrait faire une balle avec du filet, comme ça qu'il y a ici. Puis nous autres, on fait du filet à 100% à ferme. Fait qu'il est déjà setupé pour le filet. Ou tu peux le faire à la corde aussi. Les deux se configurent super facilement là, sur la presse. Là. Si, disons, il advient qu'il manque de filet sur la belleuse, ben c'est la corde qui va prendre le dessus. Automatiquement. Fait que ça va être c'est quelque chose de bien intéressant là. Si des oublis, ça peut arriver. On a aussi la possibilité d'avoir un filet de rechange en arrière. Ça, on peut me suivre, on va vous montrer ça. En fait, c'est ici. Ça, tu peux mettre un filet en arrière de rechange, là, surtout pour les grosses exploitations là, agricoles qui ont besoin de faire plusieurs balles de foin par jour, ben, avec un filet de rechange, t'es certain là, d'avoir assez de filet pour ta journée. Fait que c'est pas mal ça pour casser du filet. Alors merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté la vidéo. Évidemment, vous allez avoir une autre vidéo qui va suivre après celle-là. Pour l'avoir en marche là, au champ, il y aura des... vidéos là, avec un drone, notre nouveau drone, puis une GoPro. Fait que, ça va être super beau à voir. Fait que, merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, puis à mettre un commentaire. On trouve ça toujours très apprécié de vous lire. Et bonne journée.